Rabouba sort son nouvel album Throne ce vendredi 1er décembre. Dans ce 9e opus solo, qui contient 15 titres, dont 3 sont déjà sortis, Nougat, DKR et Elephant, le Duc remet le couvert, pour ce qui est l'une des sorties les plus attendues de la fin d'année. Et, comme à son habitude, le rappeur a su bien s'entourer. Sur la tracklist, sont lisibles les noms de Danso, Niska, mais aussi Sidik et Diabaté et Gâteau. Une obsession que B2O perpétue dans son nouvel album, et plus précisément dans le titre Friday. Voilà maintenant plus d'un an que Booba et Patrice Carteron mènent un combat acharné à coups de vidéos, photos et allocutions interposées. Déception pour Booba, qui aurait bien continué à tirer sur cette corde encore quelques années. Pour les plus connaisseurs, le site internet genius.com retranscrit les paroles d'un nombre incalculable de chansons, récentes comme anciennes. Et dans le morceau Elephant, les utilisateurs de genius.com ont repéré quelque chose d'assez énorme. À la toute fin du morceau, le rappeur évoque un certain Armand. Quand je ferai le Parc des Princes, en concert, NDLR, Armand sera dans les loges. À première vue, rien d'étrange. Sylvain Armand étant un ancien joueur du PSG, il ne serait pas étonnant de le voir dans les loges du stade parisien, pour venir assister au concert de Booba. Seulement voilà, Kahari s'appelle Oko Armand Niakouré. Et le clash qu'il entretient avec Booba date d'un soir où Kahari, devant faire un concert en Alsace dans une salle de 1000 places occupée par une dizaine de fans seulement, avait décidé de ne pas monter sur scène, et de rester dans sa loge. Bien que le morceau soit sorti en juin dernier, il semblerait que peu de gens aient remarqué cette pique à Kahari. Un vrai coup de maître pour Booba. Le rappeur expatrié à Miami consacre même une chanson à Luna, sa petite fille de 3 ans. Parmi une note de douceur dans un océan de punchline corrosif et accrocheur comme sait le faire Booba.